Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Ce lundi 19 septembre, Data Link People égale à B06e 255e 03 40 C6 8155 F7 716 904 BD A6. Albert de Monaco et la princesse Charles ne faisaient partie des quelques 2000 personnes à assister aux funérailles de la reine Elisabeth II en l'abbaye de Westminster à Londres. Deux jours plus tôt, d'autres membres de la famille princière se sont rendus à un événement bien plus joyeux, un mariage. En effet, Louis Ducruet, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb, les trois enfants de Data Link People égale à 9432 F6 et 2 0929 42 C4 à 9 F90 à 29078 boulevard 02 2 C7 Stéphanie de Monaco était présent pour célébrer l'union de Data Link People égale à 3F413 47 41 19 49 88 86 89 225 DF 78 240 C5 Michael Ducruet et de sa compagne Coralie. Ce dernier est né de la relation entre Data Link People égale à DB41649 CF C3 à 43F3 491 F7 à CD 798 B4 et B. Daniel Ducruet et Martine Malbouvier. Une assistante marketing, il est le demi-frère de Louis, qui a 10 mois de moins que lui, et de Pauline. En revanche, il n'a aucun lien de sang avec Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie et de Jean-Raymond Gottlieb. Si ses enfants ont grandi dans des familles recomposées, ils s'entendent tous très bien. La preuve, Camille Gottlieb figure bien sur une photo du mariage publiée par Louis Ducruet dimanche 18 septembre. Sur Instagram, elle pose aux côtés de sa demi-sœur et de son demi-frère, ce dernier étant vêtu d'un uniforme. Une photo montre le marié en train de brandir son casque à plumes dans son uniforme de carabinier à la sortie de l'hôtel de ville de Monaco, accompagné de son épouse. Sur une autre encore, Louis Ducruet se montre aux côtés de sa femme Marie, qu'il a épousée le 27 juillet 2019. Journée de mariage avec amour. Félicitations à mon frère et sa nouvelle femme, a commenté l'aîné de la princesse de Monaco en légende de sa publication. Dans les commentaires, ses abonnés se sont montrés ravis de voir la fratrie au complet dans un tel moment de bonheur. Ils n'ont pas oublié non plus d'adresser leurs félicitations aux jeunes mariés.